Qui la flamme en entrée de zone pour Cloutier, c'est tout juste trop long. Derrière la ligne des buts maintenant. Zachary Marquis la flamme, évite une mise en échec, passe vers le devant du but. Au point d'appui Komarov, fin de tir. À Dorion, oh, il rate son tir, la rondelle a touché. La rondelle demeure dans le territoire des remparts. Cloutier sur l'aile gauche, réussit à faire dévier jusqu'au centre. Et Blais en repli récupère pour l'Océanique. Alexandre Blais, le petit numéro 22, passe sur sa gauche en entrée de territoire pour Pilote. À Blais, fonce au filet, le tir et le but. Un bel échange entre Blais et Pilote. Et Alexandre Blais bat Quentin Miller à sa gauche. L'Océanique ouvre la marque ce soir au centre Vidéotron. Alexandre Blais, excellent joueur offensif, réussit à battre le gardien des remparts d'un tir des poignets avec 11-38 à faire en première. C'est 1-0 Rimouski. Un très bel échange entre Alexandre Blais et Dominique Pilote. Un tir précis. 1-0 l'Océanique. En transition, la passe pour Julien Bellin. En entrée de zone, perd devant Daniel Agostino. Agostino projette la rondelle vers la zone ennemie. Charles Savoie tente de déborder Gill. Une remise vers le devant du but. Le tir est le but. Charles Savoie marque son premier de la saison. Ramène une rondelle vers le filet. Le gardien Massé a été surpris. Incapable de contrôler le disque. Et c'est de cette façon que le vétéran Charles Savoie marque son premier filet de la campagne. Il a envoyé une rondelle du coin de la patinoire. Et le gardien Massé a été pris hors position. La rondelle l'a touché à la jambière avant de pénétrer lentement derrière la ligne rouge des buts. 1-1 la marque avec 9 minutes 18 à faire en première période. Premier but cette saison pour Charles Savoie. Comme quoi, ce n'est pas toujours les jeux les plus spectaculaires qui permettent de s'inscrire à la marque. Coughlin s'amène vers le centre en contrôle. Sur l'aile droite maintenant, traverse la ligne rouge. Dans le territoire des remparts, poursuit son chemin. Applique les freins, regarde ses options. Passe devant le tir. Oh, et le but! La rondelle a touché le bâton de Dominique Pilote et Alexandre Blais. Redirige la rondelle derrière le gardien des remparts. C'est 2-1 Rimouski, un deuxième dans le match pour Alexandre Blais. Pilote a raté partiellement son tir, mais la rondelle a abouti directement sur la lame de bâton d'Alexandre Blais, qui a réussi à battre Janasti à la rondelle et placer le disque derrière Quentin Miller avec 8 minutes 30 à jouer en première. L'Océanique reprend les devants une deuxième fois dans le match. C'est 2-1. Agostino devant Quinn Kennedy à la mise en jeu, gagné par Rimouski. Oh! Solide mise en échec de Cloutier à l'endroit de Gill. Loin dans le territoire des remparts et derrière son filet, Quentin Miller va laisser le disque à Leighton Stewart. Stewart en transition, la passe pour Charles Savoie. Savoie regarde ses options, la passe est ratée pour Agostino. Massé fait l'arrêt, il a envoyé devant. Beau jeu défensif de Villeneuve devant Blais qui était venu foncer au filet. Charles Truchon réinstalle le jeu de puissance pour l'Océanique. Alexandre Blais dans l'enclave à Gauguin. Tir bloqué par Maltais au retour. Blais complète son tour du chapeau. C'est 3-1 Océanique. Le tir a été bloqué en défensive. Et la rondelle a dévié directement sur la lame de bâton d'Alexandre Blais qui marque son troisième but du match. Et c'est 3-1 Océanique. Un but marqué en avantage numérique 5 contre 4. Quel tir d'Alexandre Blais. Un tir vif. La rondelle a dévié directement sur son bâton. Et Alexandre Blais, un excellent joueur offensif. Giannasti à Moffat. Zone neutre pour Godette, c'est raté. Rondelle récupérée en défensive par l'Océanique. En sortie de zone sur l'aile droite, voilà Sprinner. Dans le territoire des remparts, la remise devant. Ben Cross, le tir et le but! On l'avait accroché, il avait punition en retardement. Et Cross, il va d'une belle manœuvre et du revers. Loge la rondelle derrière Quentin Miller. C'est 4-1 Océanique. Le jeu de transition de Rimouski leur a permis de se créer une chance de marquer. Yann Sprinner a envoyé la rondelle vers le centre de la patinoire et Ben Cross a été habile à récupérer le disque premièrement et ensuite il va d'une belle feinte pour battre le gardien des remparts avec 10 minutes 19 à jouer. Deux buts marqués en l'espace de 38 secondes par l'Océanique. Et par Québec, Cloutier à Komarov. Tente une remise vers le devant du but, intercepté par Saint-Denis en transition. Bellin, Julien Bellin dans le territoire des remparts, 2 contre 1. Bellin pour Denis, Michael Denis le tire à Red Miller, il n'y aura pas de retour. L'Océanique, Mathis Laurent. Fin de tir, passe devant, c'est raté. Marquis Laflamme saisie, sortie de zone Québec. Cloutier sur l'aile droite, belle accélération. S'amène en zone ennemie. S'avance le tir, belle arrêt de Massé au retour. Massé fait pour Komarov, une minute à faire en période. C'est 4-1 Rimouski. Komarov sur sa gauche à Dorion. À Komarov, fin de tir à Savoie sur l'aile droite. S'avance, fin de tir. À Godette, tente de ramener devant le tir. Et le but! Antoine Dorion bien posté à la droite du gardien. Cédric Massé. Loge la rondelle derrière la ligne rouge des buts, c'est 4-2 la marque. Un but marqué en avantage numérique, 5 contre 4. 1-2 les remparts en de telles circonstances. Bien posté à l'embouchure du filet, Antoine Dorion réduit la marque à 2 buts.
La remise de Kassim Godet devant le filet. Et Dorion, à force de travail, réussit à battre le gardien de l'Océanique. 52,9 secondes à jouer. 4-2, Rimouski au pointage. Antoine Dorion inscrit en transition son... maintenant. Bénin dans le territoire des remparts, courte remise. Sur sa gauche à Denis. Denis perd la rondelle. Gouan pousse devant lui. Côté réussit à reprendre. Bénin est seul dans l'enclave. Bénin le tire. Bel arrêt! Le grand Julien Bénin avait réussi à se libérer dans l'enclave juste assez pour prendre un bon tir. Une feinte de la gauche. Passe à Antoine Dorion sur sa gauche. Dorion regarde ses options. Dribble avec la rondelle. Revient au point d'appui. Sevalod Komarov sur sa droite. À Charles Savoie. Savoie coupe dans le centre de la glace. Feinte de tir à Komarov. Tir frappé. Le but! He shoots! He scores! C'est 4-3 la marque. Un long tir frappé sur réception de Sevalod Komarov. Qui bat le gardien. Cédric Massé à sa droite. But marqué en avantage numérique, 5-4, 2-3, les remparts avec l'avantage d'un homme. Avec 12-0-5 à jouer, les remparts réduisent le pointage à 4-3. C'était 4-1 Rimouski et les remparts viennent de marquer 2 buts en avantage numérique, 1 à la fin de la deuxième période. Un joueur de l'Océanique qui demeure zone neutre, blesse en part finalement du disque, mis en échec par Jalasti. En repli, c'est Agostino qui reprend. Relance l'attaque pour les siens avec 11 minutes 15 à faire en troisième. Agostino en entrée de zone. Le tir est là-bas! Ago! Ago! Agostino! Et c'est l'égalité 4-4! Quel jeu de Daniel Agostino! Il a percé la défensive de l'Océanique. S'est amené devant le filet, son tir a battu le gardien par-dessus l'épaule droite. Le vétéran de 20 ans, aimé de la foule de Québec, crée l'égalité au centre Vidéotron. Un troisième but sans réplique. 30 secondes à la punition de Komarov. Dominique pilote le tir à Redmiller. La rondelle est passée tout près à la droite. Rondelle qui demeure libre devant le but. Miller est étendu tout son long. Le disque demeure tout près et finalement Miller fait l'arrêt. Il avait été avoir réussi à glisser la rondelle derrière la ligne rouge des buts. Et l'officiel était bien positionné pour dire « Oh! » Je pense que la rondelle a pénétré. On vient de voir la reprise vidéo. Si on voit la reprise vidéo, je pense que l'Océanique a marqué sur la dernière séquence, sur le retour de lancer. Alors, sur sa droite à Charles Savoie, il a 3 points dans le match. Savoie s'avance, fin de tir à Godet le long de la ligne des buts. La passe devant! Intercepté devant le filet. Julien Bénin s'amène au centre. Il n'y a plus de gardien. Bénin tire vers une cage abandonnée et le but. 6-4, Rimouski. Un deuxième but consécutif pour Julien Bénin. Son 6e de la saison. 42,9 secondes à jouer en troisième et au match. Et à moins d'une remontée spectaculaire, la séquence...